Bon, vous pouvez pas le voir ça, mais je souris parce que je suis beaucoup trop fier de ce titre. Alors, Soi Yuan, une suite réelle. Alors, aujourd'hui, ça va. Enfin, c'est pas tout à fait un exo, en fait, si, bon, c'est. Voilà, vous avez une définition du cours. Bon, je m'adresse plutôt au terminal, voire aux premières années, pour certains qui font encore l'erreur. Voilà, on va se demander ce que veut dire UN est majoré. Une suite UN est majorée, ça veut dire quoi? Proposition A, il existe un M appartenant à R tel que pour tout N appartenant à grand N, UN est inférieur ou égal à ce grand M. Proposition B, pour tout N appartenant à grand N, il existe un M appartenant à R tel que UN soit inférieur ou égal à ce grand M. Pour essayer de répondre à savoir si laquelle des deux propositions est vraie, est-ce que ça veut dire A, est-ce que ça veut dire B, est-ce que ça veut dire les deux? Eh bien, vous pouvez vous donner, allez, une dizaine de minutes avant de regarder la correction et correction. Donc, oui, la question est de savoir si l'ordre des quantificateurs a une importance. Regardons les deux propositions. La proposition A me dit quoi? Il existe un réel M tel que pour tout n appartenant à grand n, le terme de rang n de la suite, donc U indice n, est inférieur ou égal à ce grand M. Il y a un réel au moins, bon, un ou plusieurs, mais en tout cas, il existe un réel M, tel que tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à ce réel M. C'est exactement ce que veut dire UN majoré. UN majoré veut dire il existe un certain réel, et s'il en existe un, on sait qu'il en existe d'autres dans cette situation précise. Il existe un certain M appartenant à R, tel que pour tout n appartenant à grand n, eh bien, les termes de ma suite, si je fais voilà, U0, U1, U2, U3, etc., les termes de ma suite sont tous inférieurs ou égaux à ce grand M. C'est exactement ce que veut dire qu'une suite est majorée. Donc oui, la réponse A est vraie. Maintenant, que veut dire grand B? Grand B me dit que pour tout n appartenant à grand n, pour tout rang considéré, il existe un réel M tel que U du rang considéré soit inférieur ou égal à ce réel. Mais c'est bidon ça. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle suite. Ça ne caractérise pas une suite majorée. N'importe quelle suite vérifie cette chose. Pourquoi? Cette chose, c'est quoi? C'est de dire que pour tout n appartenant à grand n, le terme, il faut trouver un réel qui soit supérieur ou égal au terme de rang n de la suite. Bah oui. Lui-même, par exemple, puisque là j'ai un inférieur ou égal. Donc, soit UN une suite quelconque. Pas forcément majoré, quoi. Bah, je veux montrer que ça, c'est vrai. Pour tout n appartenant à grand n, il existe un réel vérifiant ça. Soit, bah, prenons un n appartenant à grand n, pour montrer une propriété qui démarre par pour tout n appartenant à grand n, machin est vrai, je dirais, écoutez, ok, prenons un n quelconque. Je ne le choisis pas, hein. Je prends un n quelconque et je vais vous montrer que je peux vous trouver un m appartenant à R tel que un inférieur ou égal à grand M. Bah, qui est ce m? Bah, un, est-ce qu'on est d'accord que c'est un réel? Il peut faire office de ce m du coup. Et ce réel vérifie bien que un est inférieur ou égal à un. Donc en prenant m égale un, on obtient. On a UN inférieur ou égal à grand M. Donc, j'ai pris n'importe quel rang de ma suite. Pour n'importe quel rang de ma suite, j'ai trouvé un réel tel que ce réel est supérieur ou égal au terme de rang, ce rang-là. Donc ça ne caractérise pas du tout le caractère majoré d'une suite. C'est vrai tout le temps. La différence, c'est quoi? C'est que le il existe avant le quel que soit, ou avant le pour tout, ce grand M-là doit convenir à tous les petits n. À tous les un. Ce grand m-là doit être plus grand ou égal à tous les un. C'est ça que ça dit ça. L'existence d'au moins un grand m, tel qu'il soit, pardon, supérieur ou égal à tous les un. Là, c'est pas ça. Là, c'est pour tout n, l'existence d'un m qui est supérieur ou égal au un considéré. Bah oui, mais je peux toujours, je fixe un réel, j'ai toujours un réel qui est au-dessus de lui. Donc l'ordre des quantificateurs est très très important. Voilà pour un exemple. Il n'y a pas énormément d'exemples entre guillemets naturels en terminale où on peut insister là-dessus, sur l'ordre des quantificateurs, mais je trouve que c'est un exemple plutôt pas mal. Si vous êtes en première année, voire plus, de prépa, licence, etc., et que vous vous êtes ennuyé devant cette vidéo, sur le même thème de l'ordre des quantificateurs, un exercice s'affichera en suggestion et je le mettrai en description, en lien. Je crois que je l'ai appelé un lambda pour les gouverner tous, et c'est
partir d'une définition avec un certain ordre dans les quantificateurs, c'est sur des espaces un espace vectoriel et une application linéaire, et partir d'un ordre de quantificateurs, une définition avec un ordre précis de quantificateurs, et changer l'ordre des quantificateurs, enfin, aboutir à une autre définition avec un ordre changé, une définition plus restrictive, en fait, voilà. Oui, bien évidemment, quand je dis ordre des quantificateurs, si vos quantificateurs, c'est quel que soit machin, oui. pardon, alors, si j'écris quel que soit x appartenant à r, quel que soit y appartenant à r, x au carré plus y au carré est positif ou nul, bon, effectivement, l'ordre des deux quantificateurs ne va pas avoir beaucoup d'importance. Voilà. C'est le quel que soit il existe, pour tout, enfin je dis quel que soit, parfois je dis partout, pour tout, les deux se disent, hein. Pour tout il existe qui, dans l'ordre est important. Parce que là, on établit l'existence d'un élément qui convient à tout cela, qui vérifie cette propriété pour tout cela, alors que là, pour tous les éléments, il en existe un qui vérifie cette propriété. C'est comme si je disais, dernier petit exemple, il existe, il existe une matière que tous les élèves aiment, et quelle que soit la matière, n'importe quoi, il existe une matière que tous les élèves aiment, et là je dirais, quel que soit l'élève, il existe une matière que cet élève aime. Il y a une différence. A entraîne B. A est plus restrictif que B. Donc, pour répondre finalement, donc, la réponse c'était la réponse A, certes, mais UN majoré implique que B est vrai. Voilà. Donc UN majoré équivaut à A, et UN majoré implique B, parce que cette proposition A implique la proposition B. Voilà, à très bientôt pour une foire au quantificateur, peut-être 10 000 abonnés, je sais pas.